au yokite, au taliban fauté, au moni ba maquette, au moni signature y a ba contrat toté. Seul partenaire immobilier sûr, objectif habitat Asbel, maman Moseka, Kotoyo et Komiko Sila. Et panabiso, nungu nungu ezalate. To bandana la île, to komina la 7. Maman Moseka, partenaire y a sûr. Kotoyo et Komiko Sila. Afin que Batounio se base à la servie, Mbaloyo, Platinum, Gold, Siva. Platinum, 6000 dollars. Gold, 4500 dollars. Silva, 3500 dollars. 20 sur 20, Namaluku, Namakadam, nouvelle zone économique, Pene Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. On a maïpé sécurité, t'en rassura. Maman Laure, maman y a opportunité à Komana Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui. Vous l'avez remarqué que nous allons donc parler de questions, en fait, forcément pas politiques, mais plutôt de questions, beaucoup d'autres considérations. Je reçois Monsieur Serge Tiani, il est porte-parole de la Force Grise pour la démocratie et le progrès social. Vous avez entendu l'UDPS, donc le FG en sigle. C'est donc une association de jeunes professionnels congolais, membres de l'UDPS. Et aujourd'hui, nous allons parler de cela, donc contribuer à la gouvernance en République démocratique du Congo. Monsieur Serge Tiani, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur Boussembe, bonjour. Je vais très bien. Je rappelle que vous êtes avocat. Exactement. Oui, ouais. Et puis vous êtes en même temps politicien, on va dire. Exactement. Facteur politique à l'UDPS. Voilà, le parti présidentiel. Le parti présidentiel, comme on aime à dire. Oui, mais ça vous fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de, surtout d'arriver enfin au pouvoir après ces longs moments de lutte, surtout pacifique, et arriver au pouvoir pour enfin mettre en place notre projet de société. C'est toujours un plaisir d'être au pouvoir. Quel est votre constat 2 ans après? Alors, notre constat, 2 ans après, il faut dire que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été difficile, parce qu'il faut déjà rappeler les conditions dans lesquelles on arrive au pouvoir. Donc, on arrive au pouvoir, le président de la République, il est de l'UDPS, et la majorité de l'époque à l'Assemblée nationale, elle n'est pas nôtre. Et avec notre régime politique, vous le savez très bien, donc il est difficile pour un président de la République d'avoir le plein pouvoir sans une majorité confortable au Parlement. Donc ça n'a pas été facile, on a essayé de faire une coalition de pouvoir avec le FCC à l'époque. Nous on était de bonne foi, on a pensé que ça allait marcher, on a vu par la suite que c'était très compliqué de faire marcher les choses avec des gens qui n'ont jamais fait bien les choses pendant 18 ans. Pourtant, vous avez eu le temps de réfléchir. C'est vous qui avez fait ce choix. Exactement. Et vous l'avez fait. Vous étiez donc naïf. Non, du tout. Mais on était face à un fait accompli. C'était un fait accompli. Et ça, il faut vraiment expliquer aux gens que c'était un fait accompli. Pendant ce temps-là, quand on arrive au pouvoir, le président de la République en RDC, il dirige confortablement quand il a une majorité. On ne peut pas faire autrement. Donc, nous, on est de bonne foi. On se dit qu'en face de nous, on présume qu'on a des républicains, des gens qui sont également de bonne foi, qui vont comprendre que ce qui prime, c'est l'intérêt supérieur de la nation au-delà des intérêts personnels. On leur dit, vous avez la majorité, qui est en quelque sorte le levier dont a besoin le président de la République pour diriger confortablement. Mettons-nous ensemble, faisons une coalition de pouvoir pour diriger. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'au bout de 2 ans, c'était des bâtons dans les roues, c'était des couacs qu'on... Et vous attendez à quoi? À ce qu'ils vous chérissent, à ce qu'ils vous aiment, à ce qu'ils vous laissent passer? Mais attendez, c'est très prévisible. Le docteur Mukwege vous avait proposé de faire la cohabitation, d'aller à la cohabitation, tout au début. Mais le problème, c'est que la cohabitation aurait été beaucoup plus difficile encore que la coalition. Et on a vu, en fait, on a des expériences de cohabitation qui n'ont jamais marché. On a vu en France 2 fois la cohabitation. On a vu ce que ça produit. Et d'ailleurs, en France, ils se sont rendus compte de cette erreur-là qui était justement les 2 cohabitations. Ils ont changé le référendum de 2000 en France quand ils ont essayé de décaler l'élection du président de la République et des députés, de sorte à ce que le peuple connaît le président de la République avant déjà l'élection des députés. Et ensuite, le peuple, vu qu'il connaît qu'il faut que le président de la République ait une majorité confortable pour diriger, qu'est-ce qu'on fait? On va voter les députés nationaux et on s'assure de donner au président qui est élu une majorité. C'est comme ça que vous avez remarqué en France,
depuis ces référendums, depuis qu'ils sont passés au décalage des deux élections, oui, parce que le président en place a toujours obtenu une majorité absolue pour diriger, donc 250 plus 1 pour le cas du Congo, où on a 500 députés par exemple. Oui, mais vous auriez pu penser à ça depuis très longtemps, parce que Félix Tshisekedi savait, l'UDPS n'avait pas aligné tous les candidats dans toutes les échéances. C'était tout à fait normal que vous n'ayez pas la majorité. Vous vous êtes donc préparé à ne pas avoir une majorité présidentielle, une majorité confortable, on va dire. Non, pas du tout. Pas du tout. On ne sait pas. On pourrait pas dire les choses comme cela. Une chose est d'aligner 500 candidats, une autre chose est de gagner 500 sièges. Mais vous n'avez pas aligné les 500 justement. C'est pour vous montrer que. On peut aligner autant de candidats qu'on veut, mais la décision finale revient au peuple qui va choisir ses représentants dans les urnes. Et nous savons justement comment ça se passe, les élections des députés nationaux. Il ne faut pas oublier les facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en considération. Et l'élection, généralement, elle est aussi sociologique. Et ce facteur sociologique rentre également en considération. Alors, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que vous comprenez tout ce retard. Vous savez que le panier de la ménagère, par exemple, n'a vraiment pas changé. Oui. L'indiscipline routière, elle est la même. En fait, véritablement, sur le point de vue de la société, ben, la maman maraîchère n'a pas vu les changements. Elle a vu simplement le changement des hommes. Elle a vu que Kabila est parti, Tshisekedi est arrivé, mais la misère dans son assiette n'est pas partie, la pauvreté n'est pas partie. À l'Est, par exemple, les tueries ne sont pas passées. Il y a certainement des présidents qui sont passés, mais la misère restait la même. C'est très intéressant ce que vous dites. Et voilà pourquoi nous, on a dit qu'il faut à un moment ou à un autre qu'on pense à passer peut-être à la 4e République. Pourquoi ? Parce que nous sommes d'une culture où on a besoin d'une figure tutélaire, une personne à qui on fait référence lorsque tout va mal. Et dans le cadre de notre pays, quand ça ne va pas, on fait référence au président de la République directement. Maintenant, les autres considérations qui sont plutôt, en guillemets, savantes pour dire que c'est le Premier ministre qui conduit la politique du gouvernement et que le gouvernement est l'émanation de la majorité au Parlement et que le président de la République n'a pas obtenu la majorité au Parlement. Donc, toutes ces formules savantes-là... Ça ressemble à des excuses. Non, je suis en train justement d'expliquer pourquoi. Oui. Toutes ces formules savantes-là, on ne peut pas l'expliquer à la maman qui me vend mes arachides le matin. On ne peut pas lui expliquer toutes ces formules savantes. Pour cette maman-là, si elle a des tracasseries de toutes les taxes qu'on peut avoir au niveau de commune et tout ça, si elle n'arrive pas à avoir l'électricité à la maison, si elle a du mal à envoyer son enfant à l'école, c'est de la faute du président de la République. Toutes les autres considérations savantes. Est-ce qu'elle a tort ? Justement, elle n'a pas tort, mais c'est là que j'ai dit qu'on doit essayer de revoir justement nos textes pour qu'on rende effectivement le président de la République responsable de tout ça. Alors, donc vous voulez, en fait, si je comprends très bien, moi je partage bien votre idée, en fait, là, le fond, je partage le voilà. fond qu'il faudrait changer de régime, de république, je suis bien d'accord, mais c'est la procédure maintenant, c'est la manière, ce sont les motivations qui, à un moment donné, on se dit, mais pourquoi voulez-vous le faire? Pourquoi il faut une 4e République? Parce que Kabila avait proposé la 4e, en fait, pas Kabila, mais les partisans de Kabila, je rappelle un directeur de cabinet adjoint, M. Kabila, avait proposé déjà la 4e République. Mais qu'est-ce que l'UDPS était contre? Qu'est-ce que vous avez refusé à l'époque? Alors pourquoi aujourd'hui on doit passer à la 4e République parce que c'est Félix Tshisekedi qui est au pouvoir? Non, mais nous considérons qu'à un moment, il faut que les politiciens s'assoient et qu'on discute de choses essentielles pour faire avancer la nation. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte, on est à notre 3e cycle électoral, et bientôt, ce sera le 4e cycle électoral. On a expérimenté un système qui, au regard de réalité, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de couacs, qu'il y a beaucoup d'insuffisances par rapport à ce système-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On reste là et on conteste parce qu'on pense, entre guillemets, que lorsqu'on propose ce genre de choses, c'est pour s'éterniser au pouvoir. Non, on pense plutôt dans le temps. Vous avez dit non, pas besoin de la 4e République, le problème c'est l'homme, il faut que l'homme change. Mais attendons, laissez les gens ça, changeons l'homme et puis on va passer. Non, mais justement, c'est pour ça que dans Force Grise, j'aurais dû présenter ça. Vous allez le présenter, vous en faites. Voilà, c'est pour ça que dans Force Grise, justement, on est une force de proposition, on se réunit. On discute des idées, on pense ce qui est bien pour la République et on propose ces choses-là aux instances du parti qui ensuite remontent ces choses-là aux instances du pays puisque nous sommes au pouvoir. En fait, l'idée, c'est ne pas d'imposer ça. L'idée, c'est nous, on apporte une proposition, ensuite, ça passe dans des discussions, on échange et c'est comme ça d'ailleurs que s'est construite la République. La République s'est construite dans des échanges de compréhension de l'intérêt général et du bien commun. C'est pas que de dire que
puisqu'il y a 5 ans, on n'était pas d'accord et qu'aujourd'hui, on ne sera plus d'accord. Les choses ont évolué en fonction de celui qui est au pouvoir. Le monde n'est pas statique. C'est qu'il y a d'intéressant. Je connais la chanson, elle joue très bien cette chanson. Au-delà même du dynamisme, ce qu'il y a d'intéressant dans le monde, c'est que les choses bougent, les choses changent. Les mêmes réalités ou le même chose qui était de vérité il y a 5 ans, ne le seront plus forcément il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc, reconnaissez-vous. Dans 20 ans qui arrivent. Justement, vous dites exactement comme le président de la République. À un moment donné, il a dit, en tout cas l'armée qu'on accusait parfois à tort, et je me rends compte que l'armée n'était pas aussi nébuleuse qu'on pouvait s'imaginer. La grande question, elle est celle-ci. Reconnaissez-vous que vous aviez refusé certaines choses dans le passé par erreur? Non, pas par erreur. Je vais vous dire pourquoi. Nous reconnaissons avoir refusé certaines choses dans le passé, mais nous ne disons pas que c'était une erreur. Non, nous estimons... Ah, c'était par mauvaise foi. Non. Justement, je vais préciser. Nous estimons qu'à l'époque, M. Kabila n'était pas la personne indiquée pour porter certaines réformes. Il était président de la République. Oui, justement. Mais être président de la République, ça ne suffit pas. Ouais. Être président de la République et qu'on accepte que vous portez certaines réformes, ça veut dire qu'on doit sentir en vous la volonté même de porter ces réformes-là. Bah, il était Félix Tshisekedi du passé, n'oubliez pas. Hein. Il était président de la République, ouais. Mais un président de la République, ça ne suffit pas. Il faut la volonté de porter certains changements, de porter certaines réformes, de dire que voilà, je ne m'internise pas, je ne viens pas avec ces réformes-là pour rester éternellement au pouvoir. Mais le président, il a dit, mais il ne cesse de le répéter d'ailleurs. Oui, Kabila a dit ça aussi en 2007. Il a dit aux gens, à ces journalistes-là, je n'ai pas l'idée de m'éterniser au pouvoir, je vous ai donné ma parole d'officier, je partirai. C'est ce qu'il a dit. Ouais, mais jusqu'à la fin, on lui posait la question, il ne disait plus ça. Ouais. Donc, la volonté politique, le porteur d'un changement ou d'un programme de changement, il y a quelque chose qui est très important, c'est aussi la volonté politique. Le président Tshisekedi a une volonté politique qui est claire. Et il a le sens de l'intérêt général et du bien commun. Lorsqu'on va porter de réformes, ce n'est pas pour que l'UDP s'en bénéficie. Vous savez pourquoi? Parce que, enfin, ce qu'il y a de génial dans l'être humain, c'est qu'il est mortel. Mais ça, c'est génial, en fait. Le fait que l'être humain soit mortel. Quoi qu'il arrive, on mourra un jour. Mais c'est la seule chose dont on soit peut-être certain, c'est que la RDC survivra après nous. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour laisser à cette RDC qui vivra après nous quelque chose de productif? Je voudrais bien qu'on parle de la 4e République, mais avant de parler de la 4e République, ouais, parlons d'abord de votre structure. Vous êtes des réformateurs, vous êtes un ensemble de jeunes professionnels. Exactement. D'accord, la force grise, on va dire. Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, force grise? Alors, la force grise, c'est un ensemble de pas essentiellement des jeunes, hein. Nous, on aime dire que c'est un ensemble de membres militants de l'UDPS, qui sont essentiellement professionnels. Professionnels, c'est pour dire que voilà, ils vivent, ils ont un revenu d'un travail qu'ils font qui leur permet de vivre de ça. Et ils sont tous essentiellement professionnels qui se mettent ensemble pour essayer de créer une dynamique à l'intérieur de l'UDPS et qui s'est constituée en force de proposition de choses afin d'apporter le changement que l'UDPS a promis au peuple pour arriver au pouvoir. Et le 6 décembre 2020, il y a eu une assemblée générale à l'issue de laquelle vous avez été porte-parole. Exactement. Et c'est vous qui portez la parole de cette grande fondation, cette grande structure. Exactement. Mes amis, mes camarades ont accepté que je porte la parole de la structure. Ils ont estimé que j'en avais les capacités, les compétences. Je suis humblement reconnaissant par rapport à ça. Et voilà, c'est je ne crois pas qu'il se soit trompé, non, hein, pas du tout. Je pense que vous avez la parole qu'il faut. Mais alors, parlons-en déjà de vous-même. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, en dehors du fait d'être avocat, que vous avez arrêté il y a un bon bout de temps? Alors, vous faites quoi? En fait, alors je suis avocat du barreau de Congo Central. Et dans la vie active, je suis plutôt dans des consultances pour des organisations internationales, dans le cadre de la coopération bilatérale, RDC et d'autres partenaires internationaux. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, je parle de la force grise, ouais, et la force du progrès, 100% Fachi, Fachi Tulingio Mingi, tout ça, bref, toutes ces structures qui parlent du président Félix Tshisekedi. C'est quoi votre particularité? Déjà, la première différence, vous venez de le dire, les structures qui parlent du président Tshisekedi. Nous, on ne parle pas du président Tshisekedi.
Nous, on est une structure qui parle de l'UDPS en tant que parti politique. Donc, nous sommes membres du parti politique parce que la logique, en fait, c'est que c'est le parti politique qui va porter un de ses membres pour être président de la République. Et nous, nous restons dans cette logique-là. Nous parlons du parti politique et peu importe le membre du parti politique qui est porté par la volonté de tous dans un congrès pour être candidat président de la République, ensuite président de la République, et nous parlons de cette personne-là parce que c'est le projet du parti qui est porté par un des représentants du parti. Alors là, c'est déjà une des différences. L'autre différence, c'est que l'avantage de l'UDPS, c'est qu'on a cette possibilité-là à l'intérieur de l'UDPS d'avoir plusieurs groupes. Voilà, parce que la dynamique de groupe est toujours plus intéressante qu'une dynamique individuelle. Et nous, de l'autre côté, on s'est dit on veut être une force de proposition, une sorte de think tank où on essaie de réfléchir sur des questions politiques, économiques, finances, toutes les autres questions, on essaie de réfléchir et de propositions. Parce que vous parlez des propositions, ouais. Dites-nous deux ou trois propositions que vous avez déjà faites. On a fait beaucoup de propositions, vous allez me permettre de ne pas pour l'instant les dévoiler, parce que c'est comme ça qu'on a décidé avec tous les amis, c'est de dire qu'on ne va pas se mettre en avant dans le sens de dire que vous voyez, si aujourd'hui l'école est gratuite, c'est nous, si aujourd'hui ça est gratuit, c'est nous. En fait, on ne veut pas cette espèce d'auto-promotion un peu pour dire qu'on est les meilleurs. Et on a décidé de ne jamais parler en public de choses qu'on a fait. Mais je peux vous donner quelques indices, par exemple. On a contribué à la rédaction de plusieurs projets. Par exemple, la libération de prisonniers politiques comme décision dans le projet de 100 jours. On a contribué à ça. Ah, vous parlez de ce projet qui a libéré des personnes qu'il ne fallait pas. Dans le cadre de 100 jours, les Dio Mindongala et les autres. Ah, ok, vous voyez, dans le cadre de 100 jours. Sinon, c'est là, on a, j'allais me dire, mais on a fait une proposition dans le cadre de 100 jours pour la libération, dans le volet justement justice, libération de prisonniers politiques. On a fait une proposition dans ce sens-là qu'on a bien motivé et ça a été accepté par la hiérarchie. Ça nous rend heureux d'avoir participé à cela. Explique-moi ce que je considère comme un écart entre vous, ouais, l'UDPS, et le président de la République. Dites-moi. Voici ce qui se passe. Ouais. L'UDPS parle du recensement. Recensement avant les élections. Ouais. Bon, je ne sais pas si je dois parler de l'UDPS, parce que si vous acceptez, du moment où vous acceptez que les parlementaires de vous font partie de l'UDPS. Bien sûr. D'accord. À 100%. À 100%. Ah, ouais. Donc, ce qu'ils disent, on peut considérer que l'UDPS est d'accord. Peut-être pas directement, mais au moins, ça peut donner l'impression. L'UDPS parle de recensement, le chef de l'État n'en parle pas du tout. Mm-hmm. Et quand il en parle, il dit, je ne vois pas le problème, les élections avec les recensements, on va le faire en même temps. Mm-hmm. Alors que l'UDPS dissocie les choses en disant, on va aller d'abord au recensement, les élections, on verra après. L'UDPS parle de la situation de l'Est de la République et que non, le président de la République, ce n'est pas lui le problème était ailleurs. Le chef de l'État a dit qu'il est prêt à mourir pour ça. Bref, on sent qu'il y a un petit écart entre ce que vous dites, l'UDPS, et ce que le président dit. Il a encore une fois, toujours dans le même ordre d'idées, rappelé qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir longtemps. Il a même dit, comment on fait? Je ne serais pas resté longtemps. Alors que nous avons connu un ministre d'État qui a dit devant tout le monde que le président de la République va faire une remise et reprise avec Jésus-Christ. Il sera là au pouvoir. Alors, je me dis, mais est-ce que vous vous entendez avec le chef ou vous jouez à la diversion? Non, vous dites, Fatih, reste républicain. Nous, au moins, on va essayer des ballons pour voir ce que ça va marcher. Mais bon, déjà, question de précision déjà. La parole officielle de l'UDPS est portée par les officiels de l'UDPS. Donc, le secrétaire général Augustin Kabouya. Et lorsqu'il mandate vraiment précisément de gens, cette parole est portée également par ce genre-là. La parole est portée par le président ad intérim Augustin Kabouya. Ça, c'est la parole officielle du UDPS. Lorsque ce genre-là... Une fonction qui, du reste, n'existe pas dans vos statuts. Oui, c'est un vieux débat. On va en parler. Voilà, mais on en parlera dans un prochain numéro. Mais voilà, donc la parole officielle est portée par ces gens-là. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'UDPS, et c'est pour ça que nous, on a accepté de militer dans ce parti-là, qui du reste est né plusieurs années avant que moi je ne vienne au monde, c'est cette liberté de pensée, d'expression qu'il y a dans ce parti-là. C'est comme ça que parfois, moi, je suis choqué quand on nous oppose, aujourd'hui, on dit que le président Tshisekedi est au pouvoir, il y a un recul démocratique, il y a des brimades. Moi, je suis choqué à la fois et attristé d'entendre cela.
Parce que le degré de démocratie qu'il y a à l'intérieur de l'UDPS, à l'UDPS, on n'interdit pas aux gens de réfléchir et les réflexions se font à haute voix. Alors, ce qui se passe. Et les insultes aussi contre les journalistes et les menaces et tout le reste, ça rentre dans la démocratie, chez vous. Non, 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 les insultes, moi, j'en connais pas personnellement. J'en connais pas. Mais la contradiction, ça, j'en connais. Très souvent musclé d'ailleurs. On peut faire descendre de la tribune un chef, un secrétaire général, on peut bloquer la route à un président intérimaire. Non, la contradiction, lorsque les journalistes y parlent et tout ça, ça j'en connais. Et nous également, nous faisons partie de ces contradicteurs, de ces journalistes, parce qu'ils n'ont pas la vérité absolue. Dans une démocratie, la vérité absolue n'appartient pas à une caste. La vérité absolue n'appartient pas à des gens qui estiment que, puisqu'ils sont en guillemets revêtus d'une certaine immunité journalistique, et qui peuvent dire des choses, pas non plus à la masse. Justement, pas du tout, la vérité elle est têtue, elle n'a pas de couleur. C'est là la beauté de la démocratie, c'est justement pour ça qu'il doit y avoir des contradictions, et les gens doivent accepter cela. Et nous, la contradiction, ça ne nous choque pas, parce que nous en avons l'habitude à l'intérieur de l'UDPS. Donc, c'est-à-dire que lorsque les gens réfléchissent par rapport au recensement, ils ont le droit de réfléchir. Maintenant, est-ce que vous avez entendu l'UDPS officiellement s'est prononcé déjà par rapport à cette question? Pas encore, mais l'UDPS n'interdit pas aux gens qui font à ce membre de réfléchir par rapport à ça. Donc, quel est votre point de vue sur les recensements? Alors, moi, je pense effectivement qu'on doit passer au recensement. Avant les élections, c'est un préalable électoral ou vous pensez qu'on peut faire le deux en même temps? Je pense qu'on peut faire le deux en même temps, mais il faut absolument qu'on passe au recensement parce que là, on va aller à notre quatrième cycle électoral et on ne connaît pas qui est congolais. Enfin, comment ça ne choque personne? C'est ce qui me dépasse, en fait. Est-ce que vous l'êtes, vous, d'abord? Moi, vous êtes congolais? Ouais, congolais de père et de mère. Ça veut dire quoi, de père et de mère? Ça veut dire que mon père, il est congolais de Ngandajika, Benakanyana. Ma mère, elle est congolaise également. Ça veut dire que mes parents... Deux, congolaise, deux. Bena Chiyamba. Ah, d'accord. Et papa et maman, c'est Bena. Bena, ouais. Bena, pardon. Mais qu'est-ce qui prouve que vous l'êtes? C'est ça la plus grande difficulté. Oui, mais c'est pour ça qu'on doit passer justement. Ah, justement. Parce que ni vous ni moi, rien ne prouve. Parce que ma carte d'électeur, si vous allez au Grand Marché, vous trouverez les Guinéens à la voir aussi. C'est incroyable, justement. C'est pour ça, M. Bossembe, qu'on doit passer au recensement. C'est pour ça que dernièrement, moi, j'ai discuté avec un groupe d'amis et je leur disais cela. Moi, je suis choqué de voir qu'on est à notre quatrième cycle électoral. Les élections, c'est quoi, en fait? Les élections, c'est, on appelle les électeurs qui sont le peuple d'une nation, à se choisir leurs dirigeants. Le choix des dirigeants, ça veut dire quoi en théorie? Ça veut dire conférer une légitimité à ces gens-là. Et là, quand on parler et d'agir en leur place. Exactement. On mandate ces gens-là, on vous confère la légitimité. En quelque sorte, on accepte de vous céder certains de nos droits pour dire que voilà, vous parlez, vous agissez pour nous. Mais comment on est sûr que ces gens qui font le choix de conférer la légitimité sont des Congolais? Et ça fait trois fois qu'on fait les élections sans le savoir. Et là, on va aller pour la quatrième fois aux élections sans le savoir et les gens trouvent que c'est normal. Moi, je vais vous dire, M. Bossembe, dans un État, à un moment, il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse sur des questions qui sont les fondements même d'une nation. Mais notre justement, nation est à construire. Mais c'est ça, Tiani. Notre nation est à construire. Mais c'est ça le problème. En fait, j'ai comme l'impression que nous avons tous des belles idées quand on est au pouvoir. Une fois, quand on n'est plus au pouvoir, on est suspicieux. Tout ce que les autres disent, il y a une idée derrière ça. Je me pose la question. Si Kabila vous avait demandé, ou si le PPRD l'avait dit en son temps, organisons d'abord les recensements. Je me rappelle encore que les gens sont morts un 15 janvier 2010. Non, je crois 2015. Voilà, 2015, les gens sont morts simplement parce que quelqu'un avait dit qu'il fallait recenser. En fait, j'ai comme l'impression que vous êtes rattrapé par la même histoire. Non, mais monsieur Bossembe. Le même chose, les mêmes propos, le même projet. Mais à votre temps, il y a des gens qui sont morts. Et aujourd'hui, vous voulez que les gens comprennent. Pourquoi? Monsieur Bossembe, je vous ai dit au début qu'il y a un élément qui est très important et non négligeable. C'est le porteur du projet, le porteur du programme. Monsieur Kabila ne pouvait pas porter certains programmes pour son pays, certains projets. Non, mais parce que nous estimons que Monsieur Kabila n'était pas de bonne foi, et nous en avons le droit à l'époque d'estimer qu'il n'était pas de bonne foi. Mais aujourd'hui, les gens aussi pensent que Félix Tshisekedi n'est pas de bon foi. Justement, c'est ça la beauté de la démocratie. Ce qui va se passer, c'est que nous pensons que le président Tshisekedi est de bonne foi, et nous allons justement faire de la pédagogie pour dire aux gens, pour leur expliquer pourquoi on doit passer à ces réformes qui sont très très importantes et qui sont fondatrices même d'un État. Un État des êtres normaux, on doit savoir combien on est. Aujourd'hui, dans ce pays, même à Kinshasa,
Le bourgmestre de Lingwala est incapable de vous dire combien de gens il y a à Lingwala. Je crois même que le chef de rue soit incapable de vous dire combien de gens dans sa propre exactement. Rue. Exactement. Et maintenant, ce que les gens devraient comprendre, c'est que le développement, c'est une conjonction de beaucoup de choses. Le développement, c'est une conjonction de plusieurs choses. Ce n'est pas, on dira pas de nous qu'on est développé si demain il y a tout le monde arrive à manger trois fois par jour et qu'on ne sait même pas qui sont de Congolais qui ne le sont pas. Certaines choses sont le socle même du développement. C'est une fondation d'une maison. Et aujourd'hui, nous voulons faire de la RDC une maison solide, prospère, efficace. Et de toute façon, vous n'allez pas planifier aucun développement. Vous ne planifierez aucun développement sans connaître l'identité et sans connaître les gens. Exactement. Je suis bien d'accord avec cela. Vous. Mais est-ce que vous pensez que la quatrième, parce qu'on a parlé de ça, mais parlons de la quatrième république, parce qu'on me signale qu'il ne reste plus que trois minutes. Voilà. Mais parlons-en. Sur la troisième république, par exemple, disons la quatrième république, par exemple, comment vous justifiez ça? Quels sont vos éléments d'argument? Quels sont vos arguments? Quelles sont vos idées sur la question de la quatrième république, à laquelle j'appartiens? J'adhère à l'idée. Ouais. C'est très bien. Déjà, nous pensons que la constitution que nous avons actuellement a été rédigée dans des circonstances que nous connaissons tous. C'était pour sortir de la guerre qu'on a rédigé cette constitution. Donc, ça suppose quoi? Il y avait des belligérants de partout. La République a été un peu découpée et qu'il fallait contenter. Ça suppose vraiment qu'il fallait contenter des gens. Il faut faire des choses pour que tout le monde, plus ou moins les belligérants, soient d'accord de revenir ensemble et de se mettre ensemble pour avancer dans un seul pays. Donc, sortir un peu de ce morcellement de la RDC. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Le texte fondateur qui est la Constitution, on essaie, entre guillemets, d'adapter certaines choses pour contenter les belligérants. Et nous pensons que, justement, trois cycles électoraux après, il est normal maintenant qu'on se dote d'un texte qui sera véritablement fondateur de notre développement. Et vous pensez qu'il faut changer la Constitution, il faut la modifier? Qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Il y a beaucoup de choses qu'il faut modifier. Personnellement, moi, je pense, par exemple, qu'on doit partir de ce semi-présidentialisme pour passer au présidentialisme. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, je pense que le présidentialisme serait une clé pour nous. Et peut-être on va revenir avec le semi peut-être dans 50 ans, quand on aura compris, quand on aura une culture forte de politique. Exactement. Je considère que le système semi-présidentiel est un système élitiste. Et donc, on n'a pas la culture en ce moment. Il faut aller dans le sens de donner au président beaucoup plus de pouvoir. Je suis bien d'accord. Mais comment vous allez procéder? Est-ce que vous allez faire des ateliers? Est-ce que vous allez faire des campagnes de vulgarisation, des sensibilisations? Exactement. Dans Force Grise, on appelle ça de la pédagogie. Nous allons faire beaucoup de pédagogie et nous allons faire à tous les niveaux. Nous allons commencer avec les jeunes dans les universités. Nous allons faire des ateliers populaires où nous allons expliquer aux gens la nécessité de pourquoi on doit passer au présidentialisme, par exemple. Pourquoi on doit donner au président de la République certains pouvoirs qui ne les lieront pas forcément aux caprices des députés. Voilà, nous allons faire des ateliers, nous allons faire beaucoup de pédagogie. Mais est-ce que vous allez aussi travailler pour restreindre un peu le pouvoir du président, pour ne pas faire de lui un monarque comme cette constitution fait bien de sûr, lui, ce qu'on va faire. Oui, bien sûr, et les États-Unis, ils ont très bien fait ça avec le check and balance. Je pense, on va faire le check and balance, c'est-à-dire que le pouvoir, le président de la République, les cours et tribunaux, enfin, il faudrait que tous ces pouvoirs-là, on a le Parlement, par exemple, les cours et tribunaux, il faut qu'ils arrivent à se contrôler, entre guillemets, à se maîtriser pour qu'on n'ait pas de débordement de l'un de pouvoir. C'était un grand plaisir pour moi, Serge Etienne. Mais il y a la question. La question, il y a deux questions. Ouais, je crois qu'il faudrait qu'on en parle. Les gens vont nous accorder peut-être trois petites minutes. Ouais. Il y a deux sujets. Il y a le sujet de la nationalité qui fait un véritable problème. Parce que là, vous avez parlé des mères, pères. Je vous vois très attaché à votre patrie. Moi aussi, d'ailleurs. Ouais. Mais après cette histoire de l'état des sièges à Goma, dans le Nord Kivu, commençons d'abord par l'identité, par la nationalité. Vous accordez quelle importance à la double nationalité? Comment voulez-vous que les choses se passent? Moi, je pense que, bon, le président de la République a dit qu'il était pour. Moi, je pense que la double nationalité, ce n'est pas mauvais. Mais il faut beaucoup de garde-fous si on veut aujourd'hui accorder la double nationalité à des gens. Il faut beaucoup de garde-fous. Il faudrait qu'on réserve certaines fonctions exclusivement aux Congolais de père et de mère et qui sont restés Congolais. Qui n'ont pas obtenu la double nationalité. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, par exemple, vous avez, pour travailler dans les services de sécurité et de renseignement,
vous êtes obligé d'avoir l'unique nationalité américaine. Pourtant, ils acceptent le principe de la double nationalité. Et d'ailleurs, c'est même pas le double, c'est le plurinationalité. Voilà, plurinationalité. Donc, mais pour travailler à la NASA, pour travailler à la NSA aux États-Unis, vous êtes obligé de n'avoir que la nationalité américaine. Ah, mais non, là, il y a un problème, parce que là, ils ne regardent pas la peau, ils ne regardent pas la couleur. Hein. Non. Ouais, c'est ça, l'avantage. Juste, oui, parce que les États-Unis, c'est un pays d'immigration. Ouais. Hein. C'est vraiment une véritable c'est un véritable arc-en-ciel. C'est plusieurs gens qui sont venus et qui ont fondé. Mais que faites-vous des Congolais qui n'ont qu'un seul parent congolais ? Et qui n'ont jamais changé de nationalité, qui sont restés longtemps au pays, qui ont investi au pays. Que faites-vous d'eux ? Peuvent-ils briguer à la magistrature suprême ? Qui n'ont jamais changé de nationalité, qui ont gardé la nationalité congolaise. Oui, je veux dire, vous, par exemple, vous épousez votre femme, mais ça se trouve que votre femme, elle est malienne, par exemple. Oui. Elle est malienne, mais bon, vous avez un enfant, mais qui est resté au Congo, qui a grandi au Congo, qui a fait toute sa vie au Congo. Peut-il, lui, devenir président de la République ? Il a grandi au Congo, mais il n'a jamais obtenu la nationalité congolaise. Il est ton fils ? Oui, il est mon fils. C'est ton fils ? Oui, c'est mon fils. Et d'une malienne ? D'une malienne, mais né au Congo, grandi au Congo, il n'a vu aucun autre pays qu'ici. Ouais, toutes ses études ici. Pensez-vous qu'il peut être président ? Moi, je vais vous dire, M. Bossembe, moi, je pense que notre nation qui est encore à construire et qu'on est à l'étape de la construction de notre nation, accordons certaines choses aux Congolais. 100% de père et de mère. De toute façon, ils sont nombreux. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens refusent. Voilà. C'est la majorité. Voilà, exactement. Accordons d'abord certaines fonctions et certaines choses à ce Congolais-là, de sorte à ce qu'il n'y ait pas un conflit de... Parce que, bon, aujourd'hui, mon fils qui serait Congolais par moi et malien de par sa maman, à un moment ou à un autre, son cœur risque de balancer devant certaines évidences. Le jour où son il y aura un problème avec balancer. Le Mali, exactement. Ben il va regarder sa maman un peu. Hein. Les gens qui donnent souvent des exemples d'autres nations, qui acceptent les gens qui ont deux nationalités, moi je leur dis, mais c'est des nations qui ont plus de 100 ans d'existence solide. En Côte d'Ivoire, voilà. Côte d'Ivoire, ils ont Alassane Ouattara. Exactement. Mais nous, justement... Je ne sais même pas si Alassane Ouattara est... Non, ils ont accepté cela. Ça ne veut pas dire que nous, on soit obligé d'accepter cela. Nous savons d'où nous venons notre pays et nous savons où nous allons. Construisons d'abord une nation prospère et solide. Ensuite, maintenant, on pourra voir comment, dans quelle mesure, ouvrir la nationalité. Alors, parlons de la guerre. Exactement. Est-ce que vous pensez, avez-vous l'impression que le chef de l'État maîtrise la situation ? Oui, je le pense. Déjà, avec l'état de siège qui a été décrété hier, ça, il fallait vraiment que ça arrive, il fallait le faire le plus rapidement possible. Il a très bien fait de décréter l'état de siège qui va beaucoup plus loin que l'état d'urgence. Et c'est-à-dire que les zones-là doivent être maintenant, en ce moment, des zones qui doivent être militarisées. Très militarisées même. Très militarisées, et c'est très important. Il faut militariser cela, mais cela ne suffit pas. Ce qui se passe avec la guerre, c'est que... Moi, j'aime dire que la guerre, généralement, a trois motivations. Une motivation économique, politique et sociologique. Bon, est-ce que la guerre de l'Est a une motivation politique ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que ces protagonistes-là, ou ces gens qui se revendiquent de petits groupes armés, n'ont jamais dit clairement politiquement ce qu'ils réclament. Ben, on ne dit pas, c'est subtil. Voilà. Après, quand on les appelle des vaines politiciens, il y a même un parti, des rebelles ici, vous savez, ça, on voilà. Les noms. Et puis, les raisons sociologiques, est-ce qu'il y a véritablement un conflit communautaire dans les vrais sens du mot dans ce coin ? Je ne pense pas. Alors, il reste quoi ? Il reste la raison économique. Et je pense que c'est cela. La principale raison de la guerre à l'Est, elle est vraiment économique. C'est-à-dire qu'on crée l'instabilité pour faire main basse sur les minerais. Et donc, il n'y a plus aucune réglementation. Hein. Dans un coin où il y a la guerre, les hein, avions, il n'y a plus aucune réglementation. Les avions atterrissent quand ils veulent, ils repartent voilà. Avec ce qu'ils veulent, pas de contrôle. Et l'État est presque inexistant. Ouais. Les gens, vraiment... Et les groupes armés se retrouvent dans des coins vraiment presque perdus où l'accessibilité est très difficile, ce qui fait que lorsqu'une armée régulière essaie de planifier même une attaque, le temps d'arriver à cet endroit-là, eux, ils ont déjà l'information, bah, ils sont partis et ils reviennent. Et puis autre chose, c'est que ce sont des guérillas, c'est des gens qui se battent vraiment dans des milieux, entre guillemets, urbains, où ils se mélangent à la population, et c'est là, justement, qu'il est très important. Il n'existe pas. Tous les grands théoriciens de la guerre, que ce soit Clausewitz ou Sun Tzu, le plus connu, tous les théoriciens de la guerre sont d'accord pour dire qu'il n'existe aucune guerre ne peut résister ou durer le plus longtemps sans complicité interne. C'est impossible. Il y a toujours de complicité interne dans la guerre. Pensez-vous qu'il y a une cinquième colonne ici, à l'intérieur ? Si, moi je pense qu'il y a une complicité interne.
Forcément, et c'est ce qui alimente justement cette guerre-là, c'est cette complicité interne-là. Mais voilà pourquoi maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il ne faut pas qu'on dise qu'il y a état de siège et que les zones seront ultra militarisées et que ça suffit. Cette guerre-là ne sera pas forcément, ne prendra pas forcément fin avec l'ultra militarisation. Il faut une contribution des gens qui vivent dans ces milieux-là. Il faut une contribution de tout le Congolais. Il faut dénoncer. On connaît ces gens-là. Les gens connaissent, les gens qui vivent dans ces milieux-là savent qui porte les armes le soir, savent qui tient la machette le soir et le matin, il est sur une moto pour aller au champ. Il faut dénoncer ces gens-là et afin qu'on puisse vraiment éradiquer tous ces petits groupes armés-là. Donc la contribution des peuples même qui vivent dans ces coins-là est très très importante, tout autant que l'action de l'armée qui va bientôt commencer, pour laquelle on remercie le président de la République parce que il prend vraiment ses responsabilités, il dit voilà, état de siège. Est-ce que le chef de l'État va se rendre à Goma, va se rendre dans ce lieu-là? Il a encore répété dernièrement dans sa conférence de presse, il a dit qu'il a fait une promesse de se rendre. Moi, je pense qu'il s'y rendra, puisque c'est sa promesse, il s'y rendra. Mais la question qu'on devrait se poser, est-ce que la présence du chef de l'État dans ces milieux-là va contribuer à la fin de la guerre ou des conflits armés? Et vous, que pensez-vous? Je ne pense pas que sa présence va contribuer. Le chef de l'État, il a quand même voulu dans sa réponse. Avant, c'était « j'y partirai », mais là, il a mis un bémol. Je crois qu'il nous a tous écoutés parce qu'on l'a dit, votre présence physique ne sert absolument à rien. Vous pouvez résoudre le problème ici. L'état des sièges, il n'avait pas besoin d'être là. Il a pris l'état des sièges. Exactement. Exactement, c'est ce qu'on dit. Parce que ce qui va... Mais ça, il faut qu'on explique aux gens. Mais voilà pourquoi ces politiciens-là qui essaient de se nourrir vraiment de la misère des autres pour en faire de carburant pour leur notoriété politique, ces gens-là, moi, je les exaspère complètement. Le chef de l'État, s'il va aujourd'hui s'installer à Beni, vous savez ce qui va se passer? C'est que le 10 km de la zone où il sera installé sera ultra militarisé. Et il ne restera pas là pendant 5 ans. Et le 10 km à Beni seront ultra militarisés. Je suis vu dernièrement un documentaire sur une chaîne de streaming où il y avait un chef d'un petit groupe armé qui était dans le sud Kivu. Oui. Donc, ça veut dire que le chef de l'État, étant un être humain comme vous et moi, il ne peut pas se dupliquer. Donc, s'il est à Beni, le 10 km de Beni sont ultra militarisés. Mais le gars qui sème la terreur dans le sud Kivu, on en fait quoi? C'est une très fausse logique qui n'a rien à voir. Voilà. Parce que, ou alors, on a un projet, mais alors les enfants qui font des marches, vous pensez qu'ils sont, manipulés? Parce que 18 ans de Kabila, aucune école ne pouvait faire ça. Moi, je vais vous dire, et ça risque de paraître cru pour certaines personnes, je suis désolé, mais il faut qu'on le dise quand même. C'est pas pour rien que la loi classifie les enfants mineurs parmi les incapables. C'est pour dire que l'enfant mineur n'a pas cette capacité de discernement de certaines choses, et que cet enfant mineur-là doit se faire conduire par un adulte. Doit se faire surveiller par un adulte, ses actes. Pensez-vous qu'il faut arrêter ses parents? Il faut les tenir responsables pour ça? Non, c'est là que j'en appelle vraiment au patriotisme. Ce genre-là qui manipule ces enfants-là. Mais il est où votre patriotisme? Mais comment vous expliquez, comment vous expliquez que ces enfants ne sont pas tués, ne sont pas assassinés, alors qu'on dit qu'il suffit de rester une nuit, on va vous tuer? Mais pourquoi ces enfants-là ne sont pas attaqués? Est-ce que ça n'est pas une matière à réflexion pour dire, mais attendez, comment ça se passe? Une grande matière à réflexion. Voilà, justement, vous voyez, on en arrive à des conclusions pour dire que, et vous conviendrez avec moi par rapport aux théoriciens Klaus Witt et les autres, qu'il y a de fortes complicités intérieures. Ouais. Et une fois qu'on a détecté ces complicités extérieures, c'est un peu comme le cancer, hein. Il faut le détecter, il faut couper, s'il faut couper la main, et on arrache le cancer et on sauve le corps. Donc nous devons sauver le Kivu, nous devons sauver Beni, nous devons sauver toute la RDC. Et je vais vraiment répéter cela, c'est très très important, la République nous survivra tous. Mais le président Tshisekedi va passer, Monsieur Bosembe, vous allez passer, moi je vais passer, la mort, tous nous allons mourir, mais la RDC doit vivre. Ce que nous devons faire, c'est de dire quelle RDC nous allons laisser aux gens qui viendront, aux générations qui viendront après nous. Donc il est vraiment très important de se mettre d'accord sur des questions essentielles qui fondent même la nation, de sorte à ce que voilà, nous laissons derrière nous une génération prospère, des gens conscients de la République. Je dois le dire, merci beaucoup. Monsieur Serge Tiani, je rappelle que c'est vous qui avez cherché à faire cette émission, ouais, mais la prochaine fois, c'est moi qui vous chercherai à faire une autre émission. Ça a été très intéressant. Moi, merci personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Donc, la fois prochaine, c'est moi qui vais harceler Wim afin qu'il me ramène son frère. Je comprends que c'est familial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vois ce que je veux dire. C'était un plaisir. Mesdames et messieurs, je recevais monsieur Serge Tiani, porte-parole de la Force Grise pour la démocratie et le progrès social, FGDPS en sigle. Donc c'est une association de jeunes professionnels,
des membres professionnels, tout simplement, qui font partie de l'UDPS. Et donc, on a parlé essentiellement de l'actualité politique. Vous avez compris qu'à l'UDPS, il y a beaucoup de cerveaux, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de Congolais qui réfléchissent encore et qui réfléchissent toujours et qui vont réfléchir encore de toutes les façons. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement, qu'il a peur que ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Balobi, maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Balobi, shop, Africa Union. Mais quand t'es qu'un nyonso, bilogo y a un yon congolais. On y dit ne kola yo, a sali sa yote. Pour la Korea na yo, moko ma bonne la yo. Pour la Mdoto na yo, moko y a elé. Pour ma bonne la yo. Balobi, bio. Bio Africa Union et toi t'es là. Tout à coup on a pas six mois. Six mois voyez pas y a dix mois voyez à dix. Mon combo. Négro là on t'es là. On t'es là. Bio y a mboka. Y a fresh. Y a bio. Bio na bio. Bio na bio. Si on a mamba yo. Pula mon kanja isali. Barubi njomo y a dix. En Cuba paniwa. Barubi njenge isali. Ya komba kanja yeshu. Mboto ya mbise la. Barubi niyama ya mboto ya mboko mboto ya kagane. Kala ngando nenga lali na basi. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps.